Salut à tous, salut à toutes, et bienvenue dans le port de Tarente. Bienvenue au Guépard, le destroyer contre-torpilleur, pour être même précis. Contre-torpilleur français de rang 5 de l'arbre technologique. Alors, on va faire une très rapide page d'histoire, parce que c'est une sorte de piqûre de rappel. À l'époque, j'avais présenté le Jaguar, et j'avais présenté effectivement ce que je vais vous dire. Je vous le redis une deuxième fois pour que vous évitiez d'aller... comment dirais-je, retourner à essayer de retrouver l'historique. Je pense pas que je le ferai systématiquement pour tous les navires, mais de temps en temps, une piqûre de rappel n'est pas inutile. Alors, le Jaguar a été développé dans les années 20, en début des années 20, pour être précis, a été posé en 1922, et il a été lancé en 1923. Il est considéré par Wargaming et par un certain nombre de connaisseurs comme l'ancêtre des grands contre-torpilleurs français. C'est à partir de lui et des navires de sa classe que vont être déclinés un petit peu les grands torpilleurs français. Alors, pour vous donner une idée, en fait, le Jaguar appartient à la classe Chacal. Donc, vous aviez six contre-torpilleurs. Chacal, comme c'est écrit, hein, Chacal, Jaguar, Léopard, Lynx, Panthère et Tigre, nous sommes sur des prédateurs, hein, ça veut bien ce que ça veut dire. Plus généralement, le clan Chacal, à partir du clan Chacal, on va développer 6 classes guépards. Hein, bon, regarde, il n'y a pas de guépards, donc ça va. 6 classes guépards qui sont des modèles de 1923, si vous préférez. Ensuite, en 1927, on va débloquer des modèles aigles. On en débloquera 4, dont l'aigle, évidemment. Ensuite, à partir des aigles, et des chacals, forcément, des modèles, deux modèles Milan, qui ne sont en fait que des aigles améliorés, avec 7 tubes dans ce torpille et des surlières à surchauffe. Et ensuite, on tracera les Vauclin, 7 tubes, pas de surlières à surchauffe. Vous avez ici, donc, grosso modo, l'historique des Français que vous avez dans le jeu, puisqu'on va retrouver l'aigle, on aura le Vauclin, il n'y a pas de souci. Donc ça c'était pour vous donner une idée de ce qui vous attend. Alors, techniquement, le Jaguar fait 126,80 m de long, 11,100 m de mètre beau, et on possède un tirant-doux de 4,10 m. Je rappelle que le mètre beau, c'est la largeur. Hein. Il déplace 2126 tonnes, mais à pleine charge, peut aller jusqu'à 3075 tonnes. Il est doté de 2 turbines avec 2 hélices, et ses chaudières peuvent développer 49 000 chevaux. Enfin, on va terminer avec la vitesse, 35,5 pour être précis, ce qui lui donne approximativement, sur Terre, une vitesse de 65,7 km/h. Il dispose, alors pour les canons efficaces dont vous allez avoir besoin, hein, je ne vais pas faire... Les canons efficaces, c'est 5 canons simples, 230, et 2 triples de tubes... donc 2 triples, je vais y arriver, 2 triples tubes lance-torpille. Soit dit en passant, je ne vous parle pas des deux canons entières, ça n'a pas de sens de parler d'entière sur un DD, hein, et pas plus que les armements secondaires, c'est pour ça que je passe dessus. Voilà, on a fait le petit tour technique qui va bien sur le Jaguar. On va partir en bataille. Bah, vous allez comprendre, je vous dis pas, je vous spoil pas. Vous allez comprendre très vite pourquoi cette bataille, je l'ai prise. Et malgré mon emploi du temps assez peu fourni, bah, j'ai voulu la faire et m'en occuper. A tout de suite en bataille. Et allez, on est parti. Alors, évidemment, je vais baisser le son. À force d'avoir des remarques sur le son trop fort du jeu, j'ai baissé considérablement le son d'ambiance. Ça va s'affecter, ça va se sentir. Mais je voulais vraiment qu'il y ait quand même cette sensation d'être à bord d'un navire de guerre. Ça va être un tout petit peu plus pastel, un peu plus feutré. Mais au moins, il n'y aura plus de conflit et vous entendrez ce que j'ai à dire. Alors,
Deuxième chose, c'est vrai qu'on m'a fait la remarque qu'il n'y avait pas trop de DD en ce moment sur ma chaîne, c'est vrai, mais rassurez-vous, donc il y a cette partie avant Grégoire que je vais mettre sitôt que la compilation sera terminée, donc je tourne la vidéo le jour même où je vais la poster. Et puis il y aura tout de suite après, vous aurez la prochaine vidéo, vous aurez encore un destroyer. Comme ça, on remettra un petit peu les pendules à l'heure. Il restera donc à reprendre le cycle normal en essayant d'alterner les quatre armes de préférence. Le Jaguar, nous sommes, je ne l'ai pas présenté, hein, nous sommes sur. Comment dirais-je? Nous sommes avec Napoléon, voilà, je vais y arriver. Nous sommes sur la map Lime de Faille. Et Napoléon, qui est tout seul, il n'est pas en division, qui appartient à la. Au clan des Wolfs, eh bien Napoléon se part dans la passe des DD. Il va profiter du fait qu'il n'y a pas de porte-avions pour aller investir cette passe, en espérant bien sûr faire des dégâts. Attention, il reste bien en bordure, très en bordure de son. Comment dirais-je, de sa furtivité. C'est très important. Et le York, lui, qui semble s'être arrêté, risque de se ramasser des torpilles. Bon, il s'est pas arrêté, il a ralenti. Et il doit... Ouais, il est bizarrement... Ils sont pas mal, les torpilles, ils ont l'air d'être... pas assez longues. Elles ont été lancées dans le même azimut, ce qui est très dangereux, mais il faut vraiment être sûr que le navire que vous visez pour lancer... dans le même azimut, il faut vraiment être sûr que le navire va vraiment aller faire un tout droit. Alors là, on va faire on va optimiser parce que la fonction des destroyers français, effectivement, c'est d'harceler les adversaires. On est sur un contre-torpilleur. C'est un navire qui a le moyen de faire très mal avec ses AP. Alors, un tir égal, hein. Sur les croiseurs, vous pouvez faire très très mal avec vos AP. Par exemple, dans le troquet de notre Jaguar, sur les 1000 Bertins, je suis sûr qu'il ferait extrêmement mal. Pour les 1000 Bertins, c'est un faux exemple, puisqu'il a été requalifié de croiseur, alors qu'il s'est considéré comme un destroyer à la base. Alors, il a pris cher. Je pense pas qu'il a pris cher d'une façon très utile, surtout pour faire 141 dégâts à une telle distance. Mais bon, c'est son choix, et comme vous pouvez le constater, évidemment il n'y a pas la main sur la mini-map, il y a un navire qui était avec lui, là. Et il continue d'interdire l'accès à la passe. Par contre, il y a un lion là qui a décidé d'y aller, je pense que... Ouais, et vous voyez que Napoléon là tout de suite va le punir, mais il attend. Voilà, et là, ça y est, il a été repéré par le Visby, qui a un tout petit peu, qui a une meilleure concealment que lui. Par contre, attention, hein, le Visby, c'est peut-être un des DD qui peut effectivement concurrencer au canon le DD français. Par contre, en termes de torpilles, je pense que le destroyer français est bien meilleur. Ça, c'est pas passé, c'est dommage. Et les 1000 Bertins en mangent une. C'était pas lui. Alors là, il y en a deux. Il y a deux torpilles avec deux voies d'eau. J'ai même une troisième, là, non, deux. Des voies d'eau successives. Il y a le lion et le limite Bertin, mais ça ne tombe pas. Donc, les voies d'eau ont été colmatées tout de suite. Il s'est arrêté à l'angle, il est toujours utilisé autant que possible avec les Français. Si vous ne parvenez pas à les contourner, autant que possible, utilisez les éléments qui vous permettent de vous planquer, parce que sinon, c'est juste pas possible, quoi. Bon, le lion semble dire qu'il en a ras-le-bol de prendre des coups, donc il va... Et ben voilà, on a sorti un Jaguar. Donc, il n'avait sorti au canon le 1000 Bertin,
C'est forfait. Et le lion, ben le lion il est en... Il est là-bas, le lion. Bête, c'est tant pis. Et voilà, boum. Ça fait quand même deux fois hein, qu'il torpille le lion et que celui-ci fait passer devant par un délai, un croiseur, et que c'est le croiseur qui se mange les torpilles. Le lion est béni des dieux. Alors pour l'instant, il y a 4-4 dans l'ensemble des deux équipes. Très légèrement avantage rouge. Je l'avais pas dit, mais c'est une capture de base. Très léger avantage rouge, joli début pour l'ami Apléon, puisqu'il a fait une charge de kill quand même, hein, il est à 54 000 de dégâts, c'est copieux, et il a une inondation qui court sur le lion que l'on voit là. Ah, attendez, le lion, oh, c'est un wolf aussi? J'avais pas fait gaffe. Non, c'est un wolf. À une lettre près, c'est pas le même clan. Non, parce que ça peut arriver que les membres du même clan se snipe. Plutôt que de partir en division, vous avez sûrement fait ça, vous aussi. Vous vous mettez sur Discord, enfin, avec un allié, chacun prend son, choisit son navire. Vous faites des comptes, 3, 2, 1, 0. Et vous avez une très forte chance de vous retrouver face à face. Côte à côte, ça peut arriver aussi. En tout cas, dans la même bataille. Alors, si c'est face à face, bah, c'est quand même bénéfique, parce qu'on s'amuse bien, l'un contre l'autre. Je vous suggère cette tentative si vous, que vous avez un pote qui joue à... Même pas besoin d'être qui joue dans votre clan, hein, du moins que vous partagez même Discord, c'est jouable. Le lion qui ne sait pas trop où aller, vous avez vu que le jaguar le surveille comme un prédateur qu'il est. Il va aller le finir, à le torpiller, il voit que lui on fait demi-tour. Pas très 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 rassuré le lion, et je dois bien le reconnaître. J'ai déjà vu des lions plus courageux, en tout cas plus décisifs. Il était quasiment arrivé au bord, à peu près, il n'y avait pas beaucoup de points de vie. Et il fallait qu'il affronte en sortant de la passe, il faudrait fallu qu'il affronte un adversaire probablement meilleur que lui. Alors là, enfin meilleur que lui, qui a un plus grand nombre de points de vie. Les torpilles sont belles. Est-ce qu'elles vont arriver à temps? Le lion semble... Oui, elles vont arriver à temps. Et il se guide en plus. Ça y est, on s'en mange une au moins. Et voilà. Cuirassé ennemi coulé. C'est juste dommage qu'il n'y en ait pas eu deux ou trois autres, parce que c'était bien visé. Mais bon, il était un poil peut-être... Ou le lion a ralenti, a marqué un temps d'arrêt. Ça, c'est possible aussi. Et tant pis, à part une, elle n'était pas très efficace. C'est dommage. Allez, mais ça continue, hein, on lui demande l'appui contre le Nicolas, qui n'est bon pas grand-chose. Napoléon est en train de chercher des adversaires. Dans live, il y a la rivalité. Voilà, ça c'est facile. Attention, cible repérée à cette position. Bah, on a repéré. Ici, il a Nicolas de changer. Il a beau tourner. Allez, non, encore une fois, se trouver par le gong. Décidément. Essayer de le fuir au canon, ça me paraît compliqué, mais pourquoi pas. Oui, c'est pas mal, ça d'autant qu'il est plus possible par d'autres.
Pardon. Et voilà, KO canon. Ah, je fais un petit souci technique, on revient. Il s'est rien passé. J'ai eu une coupure. Il s'est rien passé, oui, il tombe toujours autour de la Shitaka. Je pense qu'il voudrait bien en faire un Kraken plus un maintenant. Et finalement, non, il est parti parce que oui, j'avais pas fait attention. Mais il y a un petit filou chez Rouge qui est parti capé. Donc il faut les décaper parce que vous pensez bien que les verts, eux, ne capent pas. Et mais oui. Voilà, c'est l'Iron Duke. Non, c'est pas l'Iron Duke. Il y aura donc deux filous à dégommer. Iron Duke, il est là qu'en accompagnement. Alors 8-8-8-8, il se dépêche. Ah, évidemment, il y a l'air qui arrête pas de râler des fonds là-bas, des fonds là-bas. Il suffit qu'il regarde un minima pour voir qu'il y a un navire qui est parti. T'as rien de lui répéter l'ordre. Alors, c'est qui dit... Je parierais pour un cuirassé, mais... Bon, si t'as qu'à t'es pu sortir, on t'est plein. Oui, mais il y a un cuirassé. Il y a un destroyer. Le Vizmi. Donc celui qui a affronté un court instant, qui s'est montré tout à l'heure en demi-game. Il est fort possible que ce soit lui. Lui, il va arriver juste. Il est à fond. Il a le boost moteur. Il est à fond. Il va falloir qu'il se sacrifie. Ah, il y en a un autre qui commence à continuer à dire défendez la base, défendez la base. C'est dingue, ça. Il ne dit pas le chat, il dit ça pas que c'est le problème, tout le monde est concerné par le problème, tout le monde est au courant du problème. Il éprouve le besoin de... Alors, l'Iron Duke, il y a deux Iron Duke en fait. Il y en a un qui est dans le cap, qui est bien planqué, et il y a le Vizmi. Oh, le Vizmi, il y a les trois émirs verts, rouges qui sont là. Intéressant. Allez, il y a un qui spamme le bouton de fournir la base. Allez, défendez la base. Et voilà, Kraken plus 2. Bon, et Boum, il est sorti. Kraken plus 1, excusez-moi, c'était un peu... Mais il s'est fait sortir par le Visby, sans se tuer. Pour une bataille qui ne donne plus... Bah, il y a un suspense, bien sûr. Parce que là, il y a les deux caps qui sont en train de se remplir. Le cap vert... il pourrait perdre. Hein. Il pourrait perdre malgré une bonne bataille. Tout ça parce qu'ils n'ont pas laissé de défense dans la base. Fin de la game. Pouf, pouf. Voilà, sauvé par le gong et la pendule, 9513 points d'XP. Ils ont eu chaud. On peut dire qu'ils ont eu chaud parce que ouais, ils n'avaient pas le temps matériel de revenir pour défendre la base et que je pense que le cap aurait été réussi par les verts. Alors un Kraken plus 1, 41 coups au but, 96 000 de dégâts. Les torpilles, 5 torpilles, 7 torpilles au but, dont 5 ont fait des voineaux, 4 protections de base, c'est très 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 correct, vraiment une très très belle partie. Il finit premier avec 1890 points d'XP de base, il est à sa place, un très bon Jaguar, j'espère qu'il vous aura plu. En termes de kilomètres, il a fait 85 km, mais il a pratiquement parcouru toute la map, aller-retour. Il a tanké pour 349 000, c'est peu, mais c'est très convaincant pour un délai. Pour le reste, il n'a pas joué la paix, il a joué qu'à la HE, 144 pour 41.
Ça fait, grosso modo, un sur 4, 4,5. Un obus sur 4,5 qui a fait du dégât pour 11 000 de dégâts avec un cloche net pas. Les torpilles, 71 000 de dégâts, la torpille, 42 divisé par 7. Et ben c'est tout, parce que bon, pour le reste, c'est vrai qu'il y a un petit 9 000 points de dégâts par incendie, 4 000 points de dégâts par inondation. C'est pas aussi développé que les 71 000 points des torpilles, mais c'est honorable. Il est premium, et son commandant, qui est en cours de réentraînement, j'ai l'impression. Donc il n'est pas prêt. Après, il sera probablement prêt une fois qu'il sera sorti de ses tiers 5. Ça doit être le commandant des. Ça va être une de ses batailles en Jaguar. Et monsieur commandant, il faut se former sur le Jaguar. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se laisser là. Un petit peu de mal. On a eu un petit vent de flottement. C'est pas si fréquent que ça. C'est vrai que là, j'ai eu un petit pépin qui m'a obligé à refaire une vidéo en partie. Donc, j'ai suis obligé de faire une coupe. Mais bon, ça, c'est globalement bien passé. Il n'y a pas de souci. Je vous le dis, mais je ne devrais même pas vous le dire. Vous en seriez peut-être même pas aperçu. Gros bisous partout. On va faire. Ben oui, c'est les fêtes de Noël qui approchent. Hein. Enfin, les fêtes de Noël. On va déjà finir novembre. Le déconfinement, on va commencer. En espérant que ce sera le bon. Et puis, bah écoutez, moi j'espère que vous allez retrouver une vie sociale, comment dirais-je, satisfaisante pour vous tous. Prenez soin de vous quand même, c'est pas fini cette pourriture de Covid. Et puis, bah, à très bientôt, si vous le voulez bien.